Langage en fait sur vous. Grr, grr, bra, bra. Vas-y. T'as quoi hein? Ah, tu m'entends pas? J'écoute Gazo. Ah, Gazo. On s'est douché, on a fait des petites valises et là on va dominer. J'ai tellement chaud quand je lui dis que j'étais dans du lavion, il faisait 27 degrés. Mais c'est pas les 27 degrés en France, c'est les 27 degrés des Comores. Il fait tellement bien. Là j'ai trop chaud, je vais aller dehors. Salam tout le monde, c'était pour vous dire comment s'est passée ma journée. Je me suis réveillée, j'ai déjeuné. Avec mes petits cousins, on est allé chercher des chips et des bonbons. Une fois qu'on avait acheté les bonbons et tout, on est rentré à la maison et on a commencé à faire le rangement. On a pris des grattoirs, on a gratté et tout et tout. Le sol, il y avait du plâtre, on a mis des fenêtres et tout. Pendant que les filles étaient dans une fête. Et après, on a mangé du poulet, du maëlé, on s'est régalé. Avec les petits, ensuite, on est faire un touche-touche. Du coup, on a fait le touche-touche, le cache-cache, on s'est amusé. Maintenant, je vous fais de la vidéo. Sans vous mentir, je préfère Dominique Moroni. Bis. Oh là là, famille, on va aller à Moroni. On va aller nettoyer les chambres et tout. Parce qu'en fait, attends, cette semaine. Bon, ma semaine on est à Domouni, vous voyez, mais les deux semaines après on va aller à Moroni, genre plus, c'est à dire on va les nettoyer. Et en fait ma tante elle arrive aujourd'hui avec mon tonton et tout, et mes cousins, avec ma mère on n'avait pas pris toutes nos affaires, on va chercher nos affaires qui manquent, voilà. Bon là on va aller chercher les vêtements qu'on a mis sur le toit en fait, hein, parce que ça c'est qu'il faut qu'on fasse le libre. C'est trop beau. Regardez, ouais. Là on a nettoyé le linge à la main. On va voir si c'est sec. On va où les garçons? On va à l'aéroport. Voilà, là on va aller où, Moni? On va dormir là-bas, on va manger un coco. Bref, là on va aller à Domoni. Je suis trop fatiguée, franchement, le ménage. À l'aéroport, c'est tellement long de récupérer les bagages. Je ressemble à rien. On y va. On a chargé les voitures. Là on va pâtir. Il est tombé en panneau. Tout le monde, donc là on va aller à Moroni. On va aller au couturier. Après on va aller au marché sûrement. Et après on va aller chercher Glenn à l'aéroport, mon grand frère, qui arrive aujourd'hui. Bon mais on a crevé. Voilà. On n'a pas de route de secours. Dine, t'en penses quoi de tout ça? Pourquoi c'est zoomé? Walenge. Hein? Bon là on attend, en fait j'aurais dû investir dans un micro parce que je suis obligée de crier pour parler. Il m'entend pas. Et là on attend, ça va être long je sens. On aura. Ah, mais c'est. J'ai mis le temps de faire tout ce qu'on devait faire aujourd'hui. Ils sont venus à 50 pour nous aider à faire la voiture. Nous on est tranquille, on est avec la cuisse des fonctions numériques. Voilà. Alhamdoulilah, on a réussi à réparer la roue. Bon, faisons un peu la roue, elle est un peu tordue, non? Mais c'est moi. Bref, on a réussi à réparer. On va y aller là. Aujourd'hui, on n'a rien fait. Hier, on a été mangé. En fait, hier, j'ai pas filmé après. Moi, j'ai fait. Hein. Oui, non, mais je crois que j'ai rien fait. Okay. Okay, ce matin, qui allait brûler les ordures en haut là? C'est toi. Mon gars, c'est moi, mon gars. Dans la montagne là-bas, qui allait voir les champs? C'est moi. C'est vrai, il a monté la table. Moi, j'ai juste coiffé jean et non, j'ai pas monté la table, je suis allé dans les champs là-bas. Oui, mais t'as monté la table aussi, t'as ouais, fait le canapé. J'ai nettoyé les canapés aussi. Bref, tu veux dire, hier, du coup, j'ai pas fini parce que j'avais plus de batterie. Mais quand la voiture est tombée en panne, et qui allait voir ma mère en bas là? C'est moi, j'allais voir ma mère en bas. On allait chez le couturier et tout.
Les couturiers, ils ont pris nous prendre et tout. Et du coup, on a fait nos mesures et tout. Après, on est allé à l'aéroport. Sur le retour, c'est pas en crève. C'est pas la voiture, elle a encore crevé. Sur le retour, le camion, il bug et tout. Si, j'ai fait, mais hier, j'ai pas fini parce que j'avais plus de batterie. Et bref, après, on est rentré. Ma mamie, elle avait fait à manger et tout pour les jeunes de Moni qui sont venus pour accueillir Glenn. Pour accueillir Glenn à l'aéroport. Et bref, et du coup, voilà. Et après, ils ont mangé, ils ont fait la fête, ils ont dansé et tout. Et voilà. Bon, moi je vais vous expliquer un bail dans mon village. Ok. Qui dit village dit on n'a pas encore fini la maison, on n'a pas installé les pommes de douche, ça veut dire l'eau c'est nous, on va la chercher tout seul dans le puits. Ok. En gros, le moteur il n'est pas encore activé. Ok. Là, il faut remplir pour la citerne d'en bas. Guettez les gars. Il est pas là. Guettez les gars. On voit le seau. On voit le bail ici. Dans le puits qui Pas de profond, on ne voit même pas le bail. Tu m'as fait peur. Va t'habiller là, il y a des gens. Jean, va t'habiller. Là, maintenant, je remplis le bail. Une fois que le bail, je le vois plus, ça veut dire qu'il est bien rempli. Voilà, là, tu sens qu'il est bien rempli le bail. Voilà, là, fais attention ici. Tac. Ils sont bien remplis dans le puits. Fous le profond. Et là, on met là. Après, tu mets là. Et ouais. Bravo. Deuxième tour. Only twist jusqu'à Domoni Badjini. Only twist jusqu'à Domoni Badjini en fait. Regardez comment l'enfant est mignon. Comment l'enfant est beau en fait. Regardez juste comment l'enfant. On fait quoi là les enfants? C'est bon? C'est bon Moumoun? Je jure, mes vlogs là, mon vlog il est trop nul, je suis désolée. Mais en fait, c'est parce que vas-y, la première semaine, je suis au village, j'ose pas filmer. Genre, les coucouas, ma mère fait quoi? Elle en fait à filmer partout et tout, comme Google. Du coup, j'ose pas filmer, pourtant, je suis allée chez ma cousine, on a mangé tout, j'aurais pu filmer. Après, je l'ai coiffée, il y avait la musique et tout, j'aurais pu filmer, mais je pense pas à filmer, genre, je suis gênée. Mais quand je serai à Moroni, peut-être que je serai moins gênée, comme il y a beaucoup de gens, personne, je sais pas comment dire. Vous voyez ou pas? Bref, du coup j'ai coiffé ma cousine aujourd'hui, j'ai fait que ça, j'ai coiffé ma cousine depuis 13h, je la coiffe. Ce matin je suis allée chez elle, elle m'avait fait des frites et tout et de la viande, j'ai mangé. Après voilà, c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Là je vais faire une sieste, après je vais me préparer. Parce que ce soir on va, c'est la fête. Bref, et voilà. Qu'est-ce que je veux dire, mon père il m'a appelé parce qu'il était X-Aze, le chanteur. Je sais pas, je lui ai répondu. Parce que j'étais en train de coiffer ma cousine, j'ai enlevé mes données cellulaires. C'est pas mon frère, il me dit ouais, on a vu ça et tout. Je dis jure, pourquoi t'as pas filmé? Il dit mais papa il t'a appelé, tu t'as pas répondu. Genre j'aurais pu prendre la fête. Ça m'a pas loupé. Ça m'a vraiment pas loupé là. J'enlèverai plus mes données cellulaires. Mais en vrai, il y a moyen que je le recroise quelque part. Peut-être quand j'irai à Moroni, peut-être que je le croise. Je savais même pas qu'il venait là. Peut-être qu'il va faire un concert, je regarde sur internet. Mais franchement, j'ai trop loupé en fait. J'ai trop loupé. Du coup, là, on est rentré. On vit au Jalico. J'ai trop dansé là. Je vais aller me démaquiller, je vais aller dormir. Parce que je suis trop fâchée en fait. Bon, aujourd'hui, on va aller à Moroni. On va aller chez le couturier pour essayer notre tenue et tout. On devait aller à l'aéroport parce que mon oncle il est arrivé. Sauf qu'en fait, il a pas reçu ses valises. Du coup, on devait aller chercher. Il y en a, ils vont à la plage. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais essayer de filmer. Parce que tous les jours, je filme pas. Là, aujourd'hui, je vais essayer de filmer. Parce que j'ai la batterie pleine. J'ai plus de connexion. Donc ça veut dire, voilà. Je vais pas utiliser mon téléphone à part filmer. Le fleur là il fait que voler, bref. On vient d'arriver à Moroni. Et il y a Chacal. Coucou. Là on va partir. J'ai tellement chaud. Mon tonton il remplit le coffre. On a pris le linge, on va aller à la laverie pour faire laver le linge. Il fait tellement chaud. Il fait trop chaud. Regardez avec ma tatou on a habillé pareil. Regardez. Là, on est vendredi, on est allé chez le couturier. Il a pas commencé une tenue, 6 tenues pour dimanche. On doit les essayer. Ça veut dire qu'on va. Il nous a dit demain matin à 10h, il aura fait les 6 tenues. On doit aller essayer. Inch'Allah, comme il a dit. Demain matin à 10h, ils auront fini. Là, je fais mes téléphones à ma mère parce qu'on dirait qu'elle a pris mon téléphone et il marche à la plage. J'ai pas de téléphone pour filmer. J'ai trop le seum. Bref, du coup, là, on va au marché. Du coup, pour acheter, je sais pas, pour acheter quoi, mais pour marcher. Là, on est venu à la plage, on a fini. Au marché, j'ai pas filmé. Mais là, on est venu à la plage. Après, on va aller chercher le linge pour l'étendre à la maison. Et après, on va rentrer à Domoni. Voilà. Là, on est à la plage. En fait, moi, je savais pas qu'on était à la plage. Du coup, j'ai pas pris mes trucs pour me baigner et tout. Du coup, là, je suis sur le transat. Il fait tellement chaud.
J'ai trop envie de me baigner, mais je peux pas, bref. Au marché, j'ai pas fini, parce qu'en vrai, j'ai pas de téléphone. Et genre, flemme de permis de faire ma mère là-bas. Mais du coup, j'ai acheté. Je me suis acheté qu'une robe, j'ai rien acheté. Enfin, ma mère m'a acheté une robe. Après, on a acheté des robes pour ma petite cousine. Après, c'est tout. Voilà. Et voilà. Bref, aussi, du coup, mon tonton est parti à l'aéroport avec mon téléphone. Du coup, j'ai toujours pas de téléphone. Mon frère, il vole là. Du coup, j'ai toujours pas de téléphone. On allait à tellement pour m'acheter une puce. Parce qu'en fait, j'avais une. Ma cousine a passé. Comme ma cousine n'est pas venue au bled, elle m'a passé sa pucerie pour que je recharge. Sauf que ça fait même pas quelques jours. Et j'ai plus de trucs. Et en plus, la puce, elle marchait pas dans la maison à Domoni. Elle marchait que dehors. Alors que ma mère, sa puce Thelma, ça marchait. Du coup, moi, je voulais acheter une Thelma pour que ça marche aussi, tu vois. Et. Je garde longtemps. Petit moment pause, Dada il me raconte sa journée. T'as fini? Non, j'en ai plein de. Ah, c'était Pierre? Oui, Pierre. Fais voir les pierres. Pierre volcanique? Oui. Waouh, t'as pris dans l'eau? Ouais, c'était dans l'eau. Fais voir. Aïe aïe aïe. Tu vas les ramener à la maison? Oui. Fais voir. Waouh. T'as d'être ça? Je me rappelle plus ce que je disais. Si j'étais en train de me plaindre. Et du coup, on est allé à Thelma pour m'acheter une puce. Et c'est pas fallait la carte d'identité. Donc moi, j'avais ma carte d'identité comorienne. Sauf que je suis trop jeune pour m'acheter une puce. Et à quel moment faut être majeur pour acheter une puce? Moi, j'étais pas au courant. Bref. Et du coup, il y avait le passeport à mon frère. Et sa carte d'identité. Parce qu'il faut le passeport. Plus. Genre, faut le passeport. Et bref. Sauf que mon frère, il était pas là. Du coup, ça marche pas. Ma mère, elle est passée papier sur elle, je crois. Et bref. Du coup, ils m'ont pas acheté. Du coup, là, je demande à mon oncle. Parce qu'en fait, mon oncle, il devait m'acheter, mais il a acheté que pour mon petit frère. Du coup, je demande à mon oncle s'il peut y aller m'acheter parce que lui, il a son passeport. Bon, là, on était au Jalico des hommes. On va rentrer, en fait. Guettez ma dégaine, là. Oh là là, je suis mariée, je vous jure. Bref, là je marche comme si j'étais sereine. Là je marche comme si j'étais sereine. Oh, je ne suis pas sereine en fait. Je vais un peu ralentir le point. Bon, là on va chez le couturier. Il a vraiment, une fois, il a vraiment fini les tenues. Du coup, on va aller essayer. Après, on va aller à la laverie chercher nos vêtements. Et après, on va aller à l'aéroport chercher ma tante et mon tonton. Voilà. Moumoun, t'es allée chercher ta robe? Elle était belle. On allait chercher nos robes, elles sont trop belles. Là, ils sont en train de faire les fils pour qu'on éteigne le linge. On allait chercher à la laverie. Et après, mon père va aller chercher à manger. Et... Du coup, là, on est à Moroni. Je suis tellement fatiguée. Du coup, on n'est pas allé à l'aéroport chercher les autres parce qu'on devait aller au marché. Du coup, on est allé au marché tout. Acheter des noix de coco, des mangues. Non, pas des mangues. On a acheté quoi au marché? Je m'en fous, je mets quand même. On est allé acheter des noix de coco. Bref, on a acheté de la salade et tout. Là, on est rentré. On attend celui de l'aéroport qui rentre. Après, on va demander. Voilà. Donc là, on est prête, on va aller au Toara. On est prête. On est prête, on peut tomber, on va aller danser. Chaud, chaud. Pour le stream, moi en fait, je me suis pas levée. En fait, on m'a pas réveillée ce matin. Et quand je me réveillais, on m'a passé mon petit cousin pour que je le fasse dormir. Ça veut dire que je me suis levée et tout, mais là, il y a plus rien à faire, je crois. Et du coup, voilà, j'essaye d'aider comme je peux, mais voilà. Full préparation, regardez les gens qui ont.
Il sait que je suis pas seulement jolie, c'est que je suis game comme mon catatou. Avant qu'il me raconte sa story.